Ça va être chaud, ça va être chaud. Alors, le All Shot, on vous l'a dit, ça c'est le jingle de départ. C'est parti. Allez, donc Vivien Gonnet. Ah, oula, Julien Colomba en tête. Eh oui, mais c'est alors lui là, qui fait les enfants, il va pas falloir le laisser partir. Hein. Colomba Dabert, Sylvain, ça va passer. Non, ça passera pas. Oh, il a tapé le mur de neige. Sylvain, il y a été franco dans le mur de neige. Hein. Il a tapé le mur de neige, allez, il perd une place. Qui passe à l'intérieur de Sylvain. Ah, c'est Marc Germain. Oh, super départ de Marc Germain. Marc Germain qui Sylvain, c'est moins bien là. Pour l'instant, Colomban, Vivien Gonnet, Marc Germain, Sylvain Dabert, Romain Gioff, et Maxime Emery qui est à l'intérieur. Ouais, Maxime Emery aussi. Allez, on va suivre la descente, le freinage. On va avoir la confirmation du classement qu'on vient de vous donner au passage. Qui c'est Marc Germain qui attaque Vivien Gonnet, dis donc. Ah oui, bah, là, on va avoir une finale de malade. Hein. Oh là là, ça va être chaud là. Alors là, Julien Colomban qui est bien parti. Hein. Ah, on l'attendait, le pilote de Serge Chevalier, il est là. Allez, passage sur la ligne avec Julien Colomban. Une seconde sur Marc Germain. Ouais. Vivien Gonnet, 3. Sylvain Dabert, 4. Romain Gioff, 5. Martinez, 6. Emery, 7. Duvert, 8. Franck Brancy, 9. Et Vincenot, 10. On va arrêter parce qu'après, on ne va plus s'en sortir. Et on va surveiller ce qui se passe. Vous voyez, c'est ce qu'on le disait. Les pilotes chaud, qui essayent de prendre cette ornière-là. On va essayer de tourner et réaccélérer le plus tôt possible aussi en se bloquant la roue arrière. Et pour l'instant, Julien Colomban... Romain Gioff qui passe Sylvain Dabert. Ouais, Sylvain, c'est un peu la débandade là. Hein. Ouais, pour l'instant, qui se passe. Il était quatrième, il passe cinquième. Alors peut-être quelque chose qu'ils ont essayé sur la moto qui ne marche pas. Donc pour le moment, eh ben, ça ferait Julien Colomban en fait 3, hein, la première. Oui, donc ça ferait Julien Colomban qui gagnerait la journée devant Vivien Gonnet. Ouais, mais il reste encore il en reste. Parce que là, c'est sur 10 tours et on entame le troisième. Il va s'en passer des choses. Mais pour l'instant, on voit la Sherco de Julien Colomban qui est facile. Ah oui, mais je l'ai dit, hein, vu les chronos qu'il a fait tout à l'heure et la remontée, attention à Julien Colomban et ça se vérifie. Hein. Ça a peut-être donné des idées, Marc Germain. Ouais, hein, génial, parce que deuxième en ce moment, alors qu'il est ici comme pilote invité. Vivien Gonnet, troisième. Et Romain Gioff qui repasse Sylvain Dabert. Quatrième. Incroyable. Ah, Romain Gioff, il est déchaîné. Ouais, il est chaud. Hein. Ah ouais. Moi, j'ai un grand respect pour ancien pilote officiel de chez. Ça y est, j'ai mangé le nom de son. De sa moto. Ouais, Romain Gioff, Vivien Gonnet, Sylvain qui repasse. Oh là là, ça se touche avec Romain Gioff, c'est chaud. Ouais, non, ça passe pas. Hein. Ancien officiel Beta. Ouais, Romain Beta, Gioff, voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Cherchez le nom de la marque. Allez, toujours super Marc Germain. Hein. Deuxième place pour Marco. Ouais, c'est super. Troisième Vivien Gonnet. Quatrième Romain Gioff. Sylvain Dabert. Ah, c'est pas la bonne opération pour Sylvain là. Hein. Non, et pour l'instant, record du tour, Julien Colomban dans le deuxième tour en 44.3. Là, ça se recroule. Ça se croise, ça se décroise, c'est comme les skis. Hein. Ouais, il y a des petits pelotons là. Hein. Ouais, on a un premier peloton qui s'est un peu échappé. Derrière, on a un petit groupe. Regarde, ça klaxonne. Il y a une bataille Duvert, Vincenot, Martinez. Hein, c'est pas mal. C'est chaud. Hein. C'est pas mal. Et voilà, encore dixième. C'est bien, c'est bien. Nickel. Et devant, pendant ce temps-là, ça se passe, c'est la balade. Julien Colomban sort la course. Marc Germain, il est sur rien. À une seconde, il reste à une seconde. Vivien Gonnet, beaucoup moins vite. Ah ouais, mais ils sont 4 secondes 5. Romain Gioff à 5 secondes. Dabert qui est juste dans la roue. À 2 dixièmes. Maxime Emery un petit peu plus loin. Attention, puisque Dabert, Gioff, c'est pas fini cette affaire-là. Ah oui, là, c'est chaud. Hein. Ouais. Vincenot et Duvert côte à côte. Ensuite, on a un groupe avec Martinez, Brancy, Nigon, Valla, là, qui est en train de se tirer d'une bonne. Oh, attention là. Sylvain Dabert. Qui a été un petit peu maître du coude là. Attention parce que ça va pas plaire du tout à Romain Gioff ça. Non, c'est clair. Allez, là c'est le podium qui se joue hein, entre Dabert, Romain Gioff et Vivien. Oula, Vivien Gonnet qui a failli perdre la moto là dans la descente, c'est chaud. Tout à l'heure ça bougeait pas beaucoup, Luc Severna numéro 4 de Vivien Gonnet, mais là on voit que ça balaye pas mal la piste pour le pilote de Serge Chevalier. Enfin Briançon on va dire, hein, parce qu'il est plus Briançon que Serge Chevalier. Allez, il reste 4 tours. Ça klaxonne derrière, hein, Vivien Gonnet. Et alors... Marc Germain, record du tour, 43.9. Ouais, c'est bien, hein, Marc. Hein. Ah oui, record du tour pris par Marc Germain en 43.9. Marc Germain, le deuxième. Et là, ils sont au-dessus du lot, les deux là-dedans. De cette super finale avec le Dossard 54. Ouais, et puis pour Vivien Gonnet, c'est pas gagné devant. Hein. C'est il y a pas Sylvain, gagné. Ça klaxonne. Hein. Ah ouais, Sylvain, on dirait que la moto est beaucoup mieux, par contre. Ouais, Sylvain mieux, Dabert, qu'elle était tout à l'heure. Si. Par contre, on a l'impression, au contraire, que la moto de Vivien Gonnet est un petit peu moins précise qu'elle l'était dans la finale tout à l'heure. Eh ben dis donc, le général, ça va être... T'as la calculette il apparaîtra. Oh, Julien Colomban, écoute, si ça reste comme ça, ça va le faire. Ouais. Et après, regarde, oulala, ça s'attaque. Sylvain qui va passer à l'extérieur. Oh là là, magnifique. Ils sont chauds, hein. Ah ouais, là, il y a de la bagarre. Ils sont... Oh là là. Allez, on va même se taper dans la main. Un petit coup de coude en passant, mais on va presque se serrer la main.
Un petit coup de coude en passant et Sylvain Dabert prend la troisième place. Pas loin. Hein. Attention Vivien Gonnet, ne pas trop laisser de place quand dans cette finale, puisque au niveau du classement général, faudrait pas trop en perdre. Ouais. Allez, on va suivre. Donc Sylvain avait fait 2 et là il est 4. Donc ça fait 6. Et puis Julien Colomban, 3 et 1, donc c'est bon. Je devrais sortir quelque chose de mon chapeau qui va t'aider. Ah, mais tu vois que t'es bien. On me l'avait dit, mais je le croyais pas vraiment. On revient à la course. Mac Germain toujours record du tour en 43,9. Julien Colomban toujours en tête devant Mac Germain qui a perdu aller quelques dixièmes. Vivien Gonnet en bataille avec Sylvain Dabert. Il est repassé devant apparemment. Vivien Gonnet, attends, on va essayer de... Oui, il est repassé. Il est toujours devant. Il est repassé. Sylvain Dabert essaye de tous les moyens de repasser, mais il ne trouve pas l'ouverture. Là, il ne pourra pas passer dans cette épingle serrée du haut du circuit. Et maintenant, on se lance dans la descente. Dans la descente et au freinage. Il y a Julien Colomban qui n'arrive pas à se défaire de Mac Germain. Mac Germain est toujours là. J'ai l'impression qu'il s'est rapproché. On va contrôler ça sur notre écran. Il y avait un peu plus d'une seconde une. Ouais, 9 dixièmes. Il a repris un dixième encore dans ce tour. Et si Mac Germain... Regarde, Marc, il lâche pas l'affaire. Hein. Si Mac Germain crée la surprise du siècle. Impressionnant. Ah, ça serait génial. Et derrière, Vivien Gonnet qui s'est un petit peu débarrassé peut-être de la pression de Sylvain Dabert. On va suivre ça dans les tours qui viennent puisque nous allons bientôt rentrer dans le dernier tour. Et pour l'instant, Julien Colomban va revenir sur lui. La moto de Mac Germain. Parce que là, c'est le général. Hein. Mac Germain passe, il perd le général et c'est Vivien Gonnet qui gagne la journée. Allez, alors, ça va être le dernier tour. Ouais, c'est le dernier tour. Et là, allez, Julien. Luc Varna en bataille contre la Charcot. Ah non, ça devrait Il a repris, Ça devrait le faire. Il y avait 9 dixièmes, il y aura peut-être un petit peu plus. Allez, et derrière, là-bas, qu'est-ce que ça donne? Toujours la grosse attaque entre les deux champions. Là. Il ne se quitte pas. Toujours à l'avantage de Vivien Gonnet, le freinage là-bas, devant la butte, Vivien Gonnet, toujours à l'intérieur, ça passe pas. Et Julien Colomban qui assure un peu, et Mac Germain qui met tout ce qu'il peut. Allez, c'est banzai pour Mac Germain en ce moment. Il met tout ce qu'il peut pour revenir sur la Charcot. Alors que Sylvain Dabert, là vous le voyez, est en train d'attaquer une nouvelle fois Vivien Gonnet. Ah, je vous dis pas, ça se bagarre à tous les étages. On va suivre le dernier freinage. Pour le moment, Sylvain Dabert est pas passé. Ça, c'est pour la troisième place. Allez, voilà le dernier freinage. Julien Colomban toujours en tête. Allez, 17. La victoire est au bout. Attention, allez, Julien. Marc Germain. Ouais, génial. Super. Pilote radical. Allez, deuxième, Marc Germain. Et là-bas, troisième. Oh là 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 là, c'est chaud. Est-ce que Sylvain va passer? Oui, à l'accélération. À l'accélération, ouais, magnifique, Sylvain qui va passer. Ah oui. Ah oui. Génial. Oh, le dépassement de Sylvain Dabert, là, il est sorti comme un boulet de canon de la dernière épingle du circuit. Ah, et il a motrissé, il a été dépassé à quelques centimètres de la ligne, Vivien Gonnet. Donc là, le classement de cette super finale de la catégorie MV Cup, Julien Colomban qui s'impose devant Mac Germain, Sylvain Dabert, Vivien Gonnet, Romain Gioffre, Germain Vincenot, Maxime Emery, Noël Duvert, Franck Brancy et Sébastien Valla. Voilà pour les 10 premiers avec le record du tour pour Mac Germain. Et je crois, José, que tu as déjà fait le classement général. Allez.